Bonjour et bienvenue sur Zen Zone Télé, la chaîne télé santé, forme, bien-être et médecine douce sur laquelle vous êtes définitivement bien. Et comme vous le savez, commentez, partagez, likez, abonnez-vous à notre chaîne. Alors aujourd'hui, je reçois une kiné de formation, mais qui est en plus somatopathe. Elle est conseillère en fleur de bac, aromathérapeute, naturopathe et pas que. On rajoute praticienne EFT, praticienne en shiatsu. J'accueille dans l'interview thérapeute aujourd'hui Claire Valette. Bonjour Claire. Bonjour Jean-Michel. Moi c'est Michel tout court. Bonjour Michel. Ben oui. Alors Claire, comment passe-t-on de kinésithérapeute à somatopathe et pourquoi ? Eh bien, on passe de kinésithérapeute à somatopathe avec un parcours de 30 années de kinésithérapie qui ont été très bien, mais où j'avais l'impression de travailler en superficiel. J'avais l'impression de ne pas assez aller en profondeur. J'avais l'impression de ne pas aller assez dans la globalité de l'individu et j'avais besoin de plus. Tout de suite, quand j'ai fait ma formation de kiné, je savais que je ferais un jour de l'ostéopathie et j'ai mis 30 ans à trouver la technique ostéopathique qui me convenait, qui est la somatopathie, qui combine une technique physique et une partie émotionnelle. D'accord. Donc, c'est petite sœur de la kinésithérapie, là ? Ça n'a plus rien à voir avec de la kinésithérapie. Je suis déconventionnée, d'ailleurs. Je ne suis plus kinésithérapeute du tout en cabinet. J'ai encore eu une activité kinésithérapeutique jusque l'an dernier en salariat. Mais ça n'a rien à voir. C'est une technique ostéopathique, la méthode Poyet. La base de la somatopathie, c'est la méthode Poyet, une technique crânio-sacrale. Maurice Raymond Poyet, l'inventeur, d'ailleurs on parle souvent de méthode Poyet, cette méthode a été complétée par Camille Vernet. Alors concrètement, pour nos téléspectateurs qui ne connaissent pas spécialement, en quoi ça consiste ? En quoi ça consiste ? Ça consiste en donc l'approche, le patient vient avec sa problématique, que ce soit une problématique physique, traumatique ou une problématique fonctionnelle d'une fonction neuro, hormonale, sommeil, respiratoire, digestive. En fonction de la problématique, on va venir déjà remettre le corps dans son axe. Ça, c'est le travail avec Maurice Raymond Poyet et l'ostéopathie. On remet, il n'y a pas, en ostéopathie, le principe, c'est qu'il n'y a pas de fonction qui peut fonctionner correctement tant que le boîtage n'est pas correct. Donc, c'est une obligation de venir remettre la structure en forme, dans tous les sens. Et en parallèle de cela, le crâne nous informe de tout un tas d'émotions engrammées dans l'enfance. Et dans la lecture de cette plaque de tectonique qu'est notre tête, on vient faire recoller l'émotion actuelle avec la qui est en lien avec la problématique physique ou fonctionnelle actuelle. Et l'idée, c'est que le patient reconnecte ces deux choses-là pour que l'émotion soit reliée à la problématique physique et qu'on n'élève pas qu'une partie, mais on lève par les deux côtés en même temps. D'accord. Alors, j'ai une problématique, j'envisage une thérapie en somatothérapie. Comment se déroule justement, quel est le protocole thérapeutique ? Somatopathie, parce que la somatothérapie existe. Alors, mais c'est intéressant. Est-ce que vous pouvez nous donner les différents ? Donc, somatothérapie et somatopathie. Somatothérapie, c'est tout un tas de thérapies, donc de pratiques, qui vont venir s'occuper de ce que l'on a somatisé. D'accord. Donc, ce sera des thérapies psycho-émotionnelles ou corporelles qui vont venir s'occuper. Donc, c'est un ensemble de petites thérapies qui viennent s'occuper de ce que l'on somatise. Somatopathie, la pathologie et ce que l'on somatise. Donc, on fait le lien entre ce qui est somatisé émotionnel et ce qui est pathologique, problématique dans le corps. Donc, on vient traiter. D'accord. Alors, quel est le protocole thérapeutique ? Il faut une séance, 3, 5, 10, plus ? Alors,
Moi, dans ma pratique, et vous avez bien compris puisque vous l'avez détaillé tout à fait au début, j'ai tout un tas de portes d'entrée, qu'elles soient physiques ou émotionnelles. Je teste au pendule. Est-ce que la problématique, est-ce qu'aujourd'hui j'attaque par le physique, l'émotionnel, l'énergétique ou le spirituel? Et en fonction de ça et en fonction de la réponse du pendule, je vais me diriger vers soit la somatopathie, soit vers l'EFT ou les fleurs de Bach, soit vers l'énergétique avec le douin et les shiatsu. Et en fonction de tout ça, ou soit vers le spirituel, et là ce sera encore autre chose, le pendule, c'est la base de ma séance et la numérologie avec les dates, parce que je travaille aussi beaucoup avec la psychogénéalogie et tout ce que les dates nous donnent comme renseignement, la clé de naissance et compagnie. C'est un tout, le soin. Pour moi, aujourd'hui, c'est un tout. Toutes les portes d'entrée sont bonnes. Donc, en fait, en fonction de ce que votre pendule va vous dire, vous allez choisir un outil parmi ceux que vous connaissez, que vous maîtrisez. Que je pratique. Que vous pratiquez, vous maîtrisez. Et vous avez peut-être une même problématique de mixer deux, trois outils. Bien sûr, mais quasiment tout le temps, quasiment quotidiennement. Une problématique n'est jamais d'un seul bord, n'est jamais d'une origine unique. Du coup, ça, c'est ma conception des choses, hein, entendons-nous. C'est comme ça que je travaille et c'est la conception que je me suis forgée sur ces 35 dernières années. Pour moi, il n'y a pas une seule origine. Même quand c'est un accident de voiture, on est d'accord que la résultante, c'est de la traumatologie. Et bien, même cette traumatologie, on peut lui trouver une résonance avec une date récurrente, une résonance avec une problématique émotionnelle actuelle, une résonance avec un problème cardiaque ignoré mais qui est existant. Bref, l'idée, c'est d'aller chercher la cause et de traiter la cause et non pas les symptômes actuels. D'accord. Alors, pour nos téléspectateurs, présentez-nous les fleurs de Bach, présentez-nous l'aromathérapie, le shiatsu, le EFT, en quelques mots. En quelques mots, c'est compliqué, mais l'EFT, Emotional Freedom Technique, c'est une technique américaine à la base. Pour faire ultra court, on vient tapoter sur des points d'entrée énergétique. Ça revient à l'énergétique. Et du coup, on tapote ces points en disant des phrases. C'est comme si on libérait un canal d'information qui est bouché. Il y a un bouchon dedans. On vient mettre du desktop. En fait, le desktop, c'est les points d'appui que l'on met et en même temps les phrases, les affirmations que l'on va mettre derrière. Ça vient libérer complètement ces canaux d'information dans le corps. Ça, c'est concernant l'EFT, Emotional Freedom Technique. Libération, les fleurs de Bach. Libération des émotions négatives. C'est ça, libération des émotions négatives. Les fleurs de Bach, moi, je n'utilise aujourd'hui que les 39 premières du docteur Bach. Aujourd'hui, il en existe 72 pour certains, 156 pour d'autres. Moi, j'utilise les 39 premières et avec ça, j'arrive déjà à avoir des résultats amplement suffisants. Donc, je ne suis pas allée chercher plus loin. Je fais un flacon avec dedans 7 quintessences que l'on travaille ensemble avec le patient, que l'on choisit sur le moment pour vraiment tabler sur toute sa personnalité. Il y a des problématiques anciennes, il y a des problématiques actuelles. L'idée, c'est vraiment de lever tout le système émotionnel ensemble. Et du coup, très souvent, je commence par les fleurs de Bach pour venir apaiser ce système émotionnel. Et dans un deuxième temps, on peut venir travailler sur le corps beaucoup plus facilement, beaucoup plus rapidement, et on aura des résultats beaucoup plus durables. En ce qui concerne le shiatsu. Le shiatsu, j'ai une formation en shiatsu premier degré. Je ne me sers pas de la formation. Par contre, je me sers systématiquement et constamment des points des méridiens, des points clés des méridiens, pour libérer les canaux. C'est pareil, on a des canaux yin, des canaux yang, on a tout un tas d'informations et je me sers de ces points qui sont à la fois très souvent
Les points des méridiens sont en même temps des points réflexes. Donc, je me sers de ces points de réflexe qui sont parfois pour moi des sources d'information et parfois des sources de traitement. Pour vous rencontrer, pour vous consulter, Claire, dites-nous tout. Pour me rencontrer aujourd'hui et depuis très peu de temps, je suis arrivée dans un petit village de Haute-Savoie qui s'appelle Étercy. Étercy, près d'Annecy, à 10 km d'Annecy. J'ai une pièce de soins dans mon domicile et je pratique encore malgré tout sur Valence toutes les fins de mois. Je retourne 4 ou 5 jours en fonction de l'emploi du temps, chaque fin de mois sur Valence, là où j'ai ma patientèle aujourd'hui encore complète. D'accord. Et sinon, je pratique par Zoom pour certaines séances. Vous faites également de la téléconsultation, vous faites donc des consultations individuelles et des consultations de groupe. Des consultations individuelles essentiellement, et la première consultation très souvent est possible par Zoom parce qu'on a besoin de dégrossir le terrain, de comprendre. Moi, j'ai besoin de comprendre et finalement, le patient en vient à comprendre la globalité de sa situation aussi. Cette séance-là, elle peut se faire par WhatsApp, Skype, Zoom, ce qu'on veut. D'accord. Le site internet de Claire Valette va pas tarder à s'afficher juste en dessous, mais je vous le donne, Claire, en minuscule, le tiret du 6, Valette, tiret du 6 à nouveau, somatopathe. Attention à ne pas vous tromper, somatopathe.fr. Merci, Claire Valette, d'avoir accepté notre invitation sur ZenZone Télé. Avec grand plaisir et merci à vous de générer cette nouvelle chaîne et de nous promouvoir. Merci Claire, bonne continuation à vous. Merci.